Et salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Zelda, Tears of the Kingdom. Aujourd'hui, direction le nord-ouest. J'ai pas encore découvert la zone des Piaf. Il y a une tour là-bas, on essaiera de la choper, je sais pas du tout. On est à un pont, il y a un relais. Attends, c'est un corbeau ça. Je venais de faire le sanctuaire juste derrière là. Donc aujourd'hui, on va découvrir la zone des Piaf. Oh non, pitié. Oh non, c'était sûr en fait. On va prendre le cheval, je pense. Un petit gorgou, tu es trop mignon. Dictate le crack, j'y vais bien. Alors il y a aussi un gorgou là-bas perché, là, mais je flemme. Hein. Avec son gros sac à dos, là, faut l'emmener vers son copain, on verra plus tard. Là-bas, il y a des œufs. J'en mets des œufs ou c'est une ressource? D'accord, merci pour le... Ouais, bon, bah bref, bonne nuit. Bonjour les chèvres. Ouais, chèvres. Du coup, on prend qui? On prend Asnes, Tuzo ou Epona? Nous, on y va de nuit, on n'a pas peur. On a un cheval. Ouais, non, mais Asnes, je crois que c'est le pire cheval, hein, vraiment. Je sais pas si c'est le cheval de Ganon, mais il est insupportable. Je pense qu'on va partir sur une petite Epona. Hein. Bon, vu qu'il y a Asnes, on prend Asnes. Tu veux Asnes, oui. Mais ça date de Breath of the Wild pour ma défense. Oui, mais t'es le plus gros cheval, je pense. Protégé contre le froid. Oh putain. J'ai des bottes contre le froid. On va faire des plats alors. Putain, y a pas de PNJ qui vont. Mais je sais pas. Je vais avoir froid. Comment on fait des trucs pour ne pas avoir froid? Je sais plus. Parce qu'Asnes me tiendra pas assez chaud, je pense. Qu'est-ce qui... Je sais pas. Je sais plus. Il y a trop de trucs, c'est ça, là. Non. La chaleur du désert, non, c'est l'inverse. Le froid des montagnes. J'ai que ça? Bon, après, j'ai peut-être des poissons. J'en sais rien, frérot. On va faire un mélange. Mélange un peu chelou. On va mettre un bout de steak dedans. Là. Hop. Ça devrait suffire, vu le peu de PV que j'ai. Bordel. Antifroid. 3 minutes 30? Bordel. Comment ça on va avoir froid dans la première zone là? Vous êtes fada. Ça, c'est pas un truc anti-froid ça? Y a pas des perches des oiseaux froids là, je sais pas quoi là? Glagla. Supporter la chaleur. Réchauffe. Prendre. Il doit y avoir des insectes aussi, il y a sûrement moyen de faire une potion, mais putain, j'y connais rien, moi. Au secours. Ah, les poissons et des pommes, c'est incroyable. Le meilleur flavor. Et un champignon, tant qu'à faire. Bon, on va découvrir hein, ce qui se passe. Hein. Antifroid, 4 minutes. Ok. Allez. Putain, regarde-moi la taille du cheval, s'il te plaît. C'est quoi, ça? What the fuck? Mais oui. Je sais pas si c'est le modèle de cheval le plus gros. Il est énorme. C'est quoi ça, là? Et en plus, il m'écoute pas. Merci. Le mec, il part à gauche, il est fada. Mon dieu. Mignon et Kourougou dans la même phrase, ça va pas ensemble. Monsieur. Mais il a même pas de... d'endurance, comme les autres. Et là, il me fait une blague, il saute du pont. Oh, puis, il est sympa, le pont. Hein, c'est... Wow. Bon, on aura peut-être pas froid tout de suite non plus, mais bon. J'aimerais bien, genre, débloquer une TP. Pour l'instant, on est encore bien. Bon, niveau. Hein. Niveau tunique. Le chapeau est pas adapté. Mais bon, j'ai que ça. Il y a Monsieur Pont. Oh, punaise.
Attends-moi. Monsieur Pont. Pourquoi j'appelle Monsieur Pont? Il donne que de la tu... Attends, il y a un goron. Oula. Faut qu'on aille voir ça. Non, je veux pas fusionner mes trucs, merci. Ça ira. Pourquoi il y a une encore, j'entends pas de nous. Fada frérot. Ça va jamais tenir cette merde. Parce que, attends, juste par curiosité, voir si ça valide le truc. Mais non, ça va tomber. Qu'est-ce que. Vas-y, lâche pour voir. Ça va tomber, hein. J'ai trop avancé. Non, ça tient. Il est un peu tordu. Il tient debout. Bon, un chouïa tordu, mais on va dire que c'est ok. Taureau ou un cheval, bonne question. Mais je sais même plus comment je l'ai eu à l'époque. C'est la save. Breath of the Wild. Il donne quoi, 20 rubis? Ouais, c'est ça, 20 rubis. Merci frérot. Bon, ça je prends. Merci bien. Une nuit gratuite, bah écoute, ça fait plaisir. On va aller voir là-bas, il y a un piaf et un. Je crois que c'est un goron. Ouais, bon, le panneau par contre, bon. Un petit peu tordu. Attends, donc techniquement, on va. On est censé aller là, j'ai l'impression. En fait, je suis parti de là. Je suis en train de faire un giga détour par le sud, mais on est un peu obligé en fait, je crois. Mais on est où là? Je vais m'entraîner aux Orléans encore, parce que je veux devenir un immense guerrier piaf. Nom d'un bec, j'imagine que tu m'as entendu parler tout seul. Oui, oui. Nous les piafs, quand on se bat contre les monstres, il faut qu'on arrive à maîtriser les courants d'air. J'utilise mes puissantes ailes pour repousser et faire rétro-pédaler les balles qui volent dans ma direction. T'es sûr qu'on est toujours dans Zelda? Des balles? J'ai pas d'ailes, moi. Un type sur la tour. C'est Tabult. Je l'ai embauché pour m'aider. Il va envoyer des balles par ici. Et l'objectif, c'est de les faire rétro-pédaler. Jusque dans le panier mobile. T'as pas d'aile? Oui, j'ai pas d'aile. Mais j'ai rien! Je te demanderai 20 rubis! Non? Non, j'ai pas ce qu'il faut. Faut un truc qui fait éventail, en fait, non? Ou alors... Non, pas ça. Avec ça, ça marche? Je sais pas. Ou avec ça, je peux les faire reculer, rétrospective? J'ai pas envie de tenter. Comment on a ce cheval? C'est une très bonne question, j'en ai aucune idée. Il vient de ma save Breath of the Wild, je sais pas. Ah, attends, Kibik s'est dit que dans Breath of the Wild, on le trouvait dans une région proche du désert. Je sais pas. Bon, 20 rubis pour l'instant, j'ai pas envie de les dépenser là-dedans. Il y a peut-être une tenue ou un truc à récupérer, j'en sais rien. Je sais pas quel pouvoir est adapté, j'ai pas envie d'essayer. J'ai peur. Merci. C'est parti, Asnez. Voilà, je fais des petits câlins. On va suivre le chemin, j'imagine. On a des planches. On a des piments, ça c'est pas mal ça. Ces piments ils tiennent chaud, mais oui, c'est très bien les piments comme ça aussi. Je suis fada, moi. J'ai mis des champignons et des truites, mais on a les piments de base. Je dois avoir une capsule pour faire la popote. On n'hésitera pas à s'en servir. Alors c'est bien le cheval, mais bon, si je m'arrête tous les 3 mètres, c'est pas terrible. Ouais, je crois qu'on va le laisser là, Snaz. On peut se cacher aussi bien que dans Horizon. Ou est-ce qu'ils sont un peu moins aveugles? Bon, pour l'instant, on n'a pas froid, mais on est à la limite. Hein. Ouais. Je peux le one-shot normalement si je lui touche le crâne. J'arrive pas à ajuster. Ok, parfait.
l'instant, je cours. Je me raccroche à la vie. Grosse technique. Il manque plus que le carton. C'est quand même dommage qu'au niveau du timing, il va se retourner pile poil quand je serai à sa hauteur. Mais tu te fous de ma gueule ? Mais... monte. Ah ! J'en peux plus. Ça valait le coup hein, de se faire chier. Arrête de jeter des cailloux. Oh. Arrêtez de foutre le feu, mais c'est des... un cœur... ouais, quasiment un cœur ennemi, hein, sur un vieux truc de merde. Et mon bouclier a cramé. Let's go. Tu peux verrouiller l'ennemi, s'il te plaît. Merci. Parce que j'ai fait une attaque sautée à la con... oh putain. Ouais, il fait moins longtemps que... mais je... je me fais littéralement défoncer la gueule. Nice. Oui, j'ai envie d'utiliser mes boucliers à 16. J'allais vous proposer. Je peux même pas prendre la torche. La torche, ça aurait pu être pas mal. Mais encore, je pense pas qu'elle puisse être baladée comme ça. Le combat était dantesque, hein. C'était incroyable. Du coup, on a les piments. J'avais oublié les piments. Avec un petit steak, là. On a de quoi tenir un petit peu. Vas-y, Astin, on repart. Je peux pas me balader sans shield quand même. Moi, si j'avais su, j'aurais forcé avec les flèches. Mince, je me suis trompé de touche. J'en peux plus de la manette Nintendo en fait. J'aime Trump tout le temps, l'eau. Des chauves-souris, génial. J'en ai fait de tracer en fait. Hein. Mais pourquoi il a pas de... non mais il écoute pas, hein, frérot. Déjà que de base c'est pas hyper maniable un cheval, mais alors... celui-là il est encore pire. Et il fait non, il veut pas. Hein. C'est quoi ça? What is that? Oula. C'est un vrai PNJ ou c'est un piège? Qu'est-ce qu'il fout là? What the fuck? T'as de quoi faire des montgolfières. T'as du feu. Mon cheval s'est fait la malle. Aïe 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 aïe. Ouais, non, alors je veux bien faire un truc, mais... tu peux te calmer avec la musique, frérot. Non, pas le bon truc. Hop. Bah, ton chariot, je peux le faire envoler, mais tu veux pas te mettre sur ton chariot, frérot? Mais un lance-flamme, mais c'est fini là. Mister. C'est quoi l'intitulé de la quête exactement? Putain, la colle elle est dégueulasse. Hein. Parce que là ton chariot il va s'envoler, mais il va s'envoler à l'infini en fait. Si je mets ça derrière. Comment ça arrête? Je suis en train de travailler sur ton truc, monsieur. Quoi l'intitulé de la quête exactement là? Non, c'est pas ça. Il est où lui? Quête secondaire. Avec son chariot. Oui, non, mais là je vais sortir le chariot, mais toi, monsieur. Oh, tu te démerdes. Est-ce qu'on peut allumer ça? Non, ça allume les deux en même temps, putain. Je vais allumer que le...
pourquoi ça allume l'autre? My fucking goodness! J'ai plus, j'ai zéro amélioration. Oh là 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 là. Attends, les deux sont trop proches. Oh, c'est chiant en vrai. J'aurais bien aimé que ce machin réagisse pas avec le reste là. Et c'est trop chiant. Ah, mais si je le prends pas. On va le mettre là et. J'en sais rien. Ça fait quoi ça? Je sais même pas ce que c'est ça. C'est quoi? C'est un lance-flamme aussi? C'est assez plus petit. Il y avait l'idée de le faire d'abord voler et après de le diriger avec l'autre truc, mais. Il y a tout qui. En fait, tout démarre en même temps, en fait. Peu importe que ce soit à côté ou pas. Après, oui, j'ai très peu de batterie. Hein. Mais déjà, juste pour voir si. Non, mais c'est très bien. Que j'en mette deux parce que c'est un peu faible. Si je le mets devant et que je le pousse. Ah! Je l'oriente. Attends frérot, j'arrive pas à passer de l'autre côté. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Sayonara. Non, ça le remet en arrière du coup. Par la magie de. Oh là là. Parce que si je le mets à l'avant, est-ce que ça peut faire un poids et l'orienter? Il veut que je fasse quoi? Monsieur, si tu viens pas. Ça va pas le faire. Si je me mets genre là, là. Il part en cacahuète le truc. Hein, avec mon poids. Mais il trouve. Non, ça a pas l'air de jouer. Non, ça pue la merde. Comment je fais? Attends, parce que. Je veux bien essayer des trucs, mais. Parce que le problème, c'est que même si je touche pas l'hélice, elle se met en route avec le reste. Hein. Les deux s'allument en même temps. Ouais, là, comme il y a deux appareils. Non, mais il faudra revenir plus tard, je pense. Bonjour monsieur. Je sais pas trop. Je sais pas ce que je fais. Un petit peu étrange ma foi. J'arrive même pas à le coller. C'est une catastrophe. Ouais, mais du coup, la batterie elle va se vider encore deux fois plus. Enfin. Elle va se vider de ouf là. Après, j'ai juste à mettre du feu, j'ai pas besoin de mettre un mécanisme en fait. Hein. Pour alimenter les golfières. Il me suffit juste d'avoir une torche. Hein. Ça, oh, ça se vide super vite, elle décolle même pas. Si. J'ai sorti ta putain de charrette là. Mais lui je pouvais pas le prendre, du coup c'était quoi le but? J'en sais rien, monsieur. Après c'est une quête active. Hein. Dans mon chariot. Tu fous de ma gueule frérot? Je te déteste. Je te déteste. Pourquoi tu. J'ai envie de le gommer. Mais moi je peux pas m'envoler avec ça. Non, pas ça.
C'est pas comme quand on fout le feu dans l'herbe. Putain, mais c'est un épisode, je fais quoi? Je passe ma vie à essayer de monter un mec dans sa charrette, là. Putain, sa charrette de merde, là. Ouais, ouah, tu peux faire ouah. Bon, ça a plus ou moins marché. En la mettant, c'était vers lui, là. Genre, ici, là. Il a pas intérêt à tout me défaire en allant dedans. Monsieur, laisse-moi te parler. C'est parce que t'as une charrette sur l'épaule. Monsieur, merci. Oh punaise. Je peux m'asseoir nulle part. Eh, hey, je vais le goumer, hein. Ah, t'es content? T'aurais pu te mettre dans la charrette depuis le début, trou de balle. Ah putain. Bon, en fait, je suis pas bien aligné. On va y arriver. J'ai envie de le frapper, mais on va y arriver. Le truc est tordu, j'ai envie de calmer. Ouais, tu peux dire. Et... Après, j'aurais pu mettre la charrette sur le. J'en sais rien. J'aurais pu faire beaucoup de choses dans la vie. Genre, laisser mourir dans son trou. Mais avec la chaleur, elle part. Non, ça va. Non, part pas tout seul! Alors, par contre, c'était un petit peu random, hein. Donc, je garantis pas le. Il est en train de brûler. Tu mens, frérot! Tu mens! Y'a rien qui brûle, c'est dans ta tête. J'étais pas sur le... Tu me casses des reins. Je collerai les caisses à côté, de chaque côté, et dessus je mets un ballon. Oui, mais il y a une planche, hein, y a une planche en pierre. Mais du coup, je sais que c'est à peu près possible. Hein, j'ai réussi à le faire. Hein, donc, Alors, on va le faire d'ici. Là. Je vais pas casser les couilles, frérot. Non, on va pas sous le. Oh putain. Restez là. Il y a un caillou qui te pousse. Bon, on le déplacera à la fin. Et après avoir un peu plus d'endurance de machine, ça peut être mieux, je pense. Je manque un peu. Vu que je suis toujours au rang 0. Et ne pas mettre la charrette dans le feu. Pas. Sinon, ça le fait pas. Oh, c'est pas tout à fait au milieu. Ça va être un peu merdique, mais si ça fait comme tout à l'heure, que ça monte et que ça le pousse un peu, et que ça se recoupe une fois que c'est un peu au-dessus. Alors pas d'ici par contre, parce que c'est... Attends, on va vraiment le mettre... genre là, vers Asnes, c'était bien. Hein. Genre ici, là. Ça, là, ça monte, ça va le pousser. Et sur un coup de chat... Ça passe. C'est pas toi que je frappe, hein. Attention. Allez, c'est parti. Tu. De sortir du trou. On va juste sécuriser un peu le truc. Voilà. Bah voilà. Easy. Trop long, je pense. Non, tu vois, c'est... Quelques petits soucis techniques sur la route, mais... Donne-moi une tunique de résistance au froid, s'il te plaît. Pas juste 20 rubis. Je t'en supplie. Please. Les brides, non.
des musiciens qui se produisent dans les relais aux quatre coins d'Hyrule. Ok? En ce moment, je crois qu'ils sont du côté de du relais de la forêt, dans la région d'Ordine. C'est pas tout près. Ok. Ah. Oh. Donc il faut les réunir, plus ou moins. Il m'a donné 3 miels. Se fout de ma gueule. En plus, t'avais des planches là, il y avait moyen de faire. Oh putain, les sales. Ah, j'ai pas envie de l'insulter, il mérite. Hein. Oh putain. Mais qu'est-ce que c'est que cette quête de merde? My fucking god. Oh, imagine où elle est, c'est bon. La prochaine fois que je le croise, je laisse au fond de son trou. Attends, mais techniquement, je suis giga loin. Hein. Je rappelle que mon point de départ avant de lancer l'épisode, c'était ici. Mais comme il y a le giga... Bah, les gorges, là. Hein. Wow, on est giga loin, en fait. Hein. Oh là là. On suit la route, hein, de toute façon. J'ai pris le pire cheval, là. Hein. Je l'ai pris parce qu'il y avait Asnes tout à l'heure, mais... Mais regarde, il fait quoi? Putain, mais tu te fous de ma gueule. Mais... Frérot. Bon, je vais arrêter d'essayer de le faire accélérer, on va le laisser trottiner. Là, parce que... Des fois, il part sur le côté. Mais ça va, oui. Fallait me le dire avant si tu voulais pas venir. Hein. J'aurais pris l'Epona ou Juzo. Hein. Ça sent le pont cassé. Là. Trop de balles. Ah oui, donc maintenant ils font des panneaux. Non, le pont est pas cassé, mais le pont a l'air un peu précaire, si je puis dire. Ouais, ça manque un peu d'efficacité, cette merde. Non, c'est vrai que... Oh, je suis pas aligné. Oh, oh là 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 là. Je sais même pas si ça va tenir si je le cale comme ça ou pas, je suis pas sûr. Parce que j'ai la flemme de faire un truc avec des... Oula. Ça se cale pas en dessous en fait. C'est de la merde. Ça tient. Vas-y, lâche tout pour voir. Voilà. Magnifique ton... Magnifique ton panneau. Le mec me critique. Bah, en plus, attends. Tu réponds mal et il y a un fucking pont. Je crois qu'on va y aller à pied. Hein. T'es arrivé de l'autre côté. What the f... Ah, après avoir chopé un second géoglyphe. D'accord, oui, donc t'avais pris beaucoup de hauteur du coup. Mais je pense que le chemin normal, entre gros guillemets, parce que bon, dans ce jeu, c'est un peu l'intérêt du jeu aussi, c'est que tu peux faire un peu dans le sens que tu veux. C'est par là, parce que quand même, on a eu un relais, on a eu un PNJ, on a lui. On a croisé aussi le piaf qui s'entraîne là avec ses ballons. Merci pour le boulet anti-froid. Une petite bombe. Merci beaucoup. C'est gentil. Donc je disais, ouais, Asnes, là, je le sens pas trop sur ce pont. Je tente, au pire, il meurt. C'est pas grave. Asnes, tu te calmes. On va y aller tranquillement. Moi, j'ai une paravoile, donc ça va, mais... Qu'est-ce que je comprends pas dans tranquillement? Oh, putain. Imagine, c'est un fake pont. C'est un truc pour les pigeons. En vrai, ça se tente d'accélérer là. Mais c'est bien de prendre des chemins tordus.
C'est un peu l'intérêt du jeu aussi. Moi, c'est juste que j'ai vu qu'il y avait une route sur la map et du coup, je me suis dit, tiens, ça doit être par là. Bon, bah voilà, finalement. Quand il veut, Asnez. Il est pas si têtu de Taras, la maudite. Je me casse. Qu'est-ce qu'il... Regardez-moi ce cheval de... Putain de... Qui c'est qui... C'est Touffe d'herbe, c'était qui, là? C'est toi, là? Oh, putain. Asnez. Asnez, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi j'ai pris ce cheval de merde? Putain. Ah oh ouais, tu peux émir. Trop de balles. Hein. Le mec, je lui demande d'accélérer, il part à gauche. Oh bon, ouais, tu restes là. Ciao. On va peut-être bientôt manger. Parce que j'ai pas beaucoup de PV. Imagine, je me fais one shot. Ce serait hyper drôle, ça. Ouais. Dans le genou, super. Oula, vous déplacez bizarrement, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Oh, oh, oh. Viens là, là. Il va où, là? L'attaque sautée, c'est pas toujours le bon truc, hein. Tu vas où? What are you doing? Mais je... Vas-y, le regarde. 8. 5. Ok. Boomerang gros caillou. Bon, de toute façon, on n'a pas de place. Allez hop, on est parti. Le cheval qui t'abandonne. Ah oui, non, mais il n'en peut plus. Alors. Bon, je crois qu'on va vraiment abandonner à ce niveau. Tu peux arrêter. Quoi? Il a repoussé le gobelin. Laisse pas faire. La tête de mule. Je peux ramasser en étant sur lui? Bien sûr que non. Ah, on peut faire un saut comme ça du cheval, ok. Ce qui permet peut-être du coup de tirer une flèche au ralenti, c'est cool ça. C'est même plutôt stylé en vrai. On pouvait faire ça avant. Parce que si t'appuies sur B, genre il descend comme ça. Mais Y, il a fait un... Ok. Non, non, je réagis même plus. Je crois que je vais même plus te dire bonjour. C'est la fin. Sayonara. Oh putain. Faut insupportable. It's over. Changement de nom égale je connais pas la personne. Hop, j'ai pris un plat au pif. On a un relais. Ok. On a une tour et on a un objectif. Ok, ok. Qui dit relais normalement d'après Boudi. TP pas loin. Donc en soi j'ai pas forcément besoin d'aller dans le relais tout de suite. Il faut que je trouve la TP, je la vois pas. Me dis pas que c'est ce qu'il y a là-bas. J'étais censé l'avoir comment en fait cette. Arrête. Pas de cheval, j'en peux plus de lui. Si j'ai des bottes anti-froid, mais là ça passe avec une gamelle. Je sais pas si juste les bottes me permettraient de bien tenir. Vas-y, on va se mettre là. Grosse propulsion. Ouais, grosse propulsion. On va pas faire le donjon tout de suite. Enfin, le sanctuaire. Fais un effort. Fais un effort! Le mec, il en peut plus. Hein. Et t'as pas froid, arrête, t'as mangé une gamelle. Là. Oh.
Ok, on fera ça plus tard. Oh, putain, mais... Vous êtes fada ici. Hein. C'est quoi ça? Je fous le feu ou ce sera plus simple? J'ai pas envie de faire le tour un milliard de fois là. Oui, c'est très bien ça. Ça, on a la TP, on a le sanctuaire de débloquer. Parfait. Tu aurais pu faire infiltration. Quoi? Ah merde. Cette mécanique. Non, en vrai, j'y ai même pas pensé. Oui, en partant d'en dessous. Mais bon, il y a les ronces. C'est pour ça que j'ai anticipé. Pas du tout. Que je suis un joueur de Genshin en fait, c'est pour ça. Là, je touche à aucune direction. Ça, on va voir si au bout d'un moment il part tout seul sur le côté. Mais même là, tu vois bien qu'il. Il ne veut pas là. Je sais plus s'il y avait un truc ici. Du coup, il doit y avoir un puits. On reviendra. On va pas faire tous les puits. Oh bordel. Attends, mais c'est pas le même, même format là. Attends, quoi? Et où le monsieur avec son guichet là? Oh oh oh! Bon. On va voir si les bottes me suffisent à tenir. Parce que c'est vrai que manger un plat toutes les 3 minutes ça va être un peu chiant. On va voir. Vas-y. Ah, bah oui, t'as raison, Guillaume, ça passe. Ouais, ça va en fait. Surtout qu'elles sont données ces bottes là. Non, c'est pas un truc que je voulais parler. Quoi, chute? Ah, d'accord, on est obligé. Elle prépare le lancement de notre grande enquête sur Dame Zelda. Ah! Le mec nous a reconnus. Peine. Ah. Oh. Je pourrais parler de toi à Bourgette. What the fuck? C'est quoi ça? Ah. Ça suffit. J'accuste. Ah, j'ai racheté ce relais à l'ancien propriétaire, en honnête femme d'affaires. Alors arrête de raconter n'importe quoi. Je me suis pas joué de lui, compris. Oh lolo. Voyons voir. Mais on les connaît, putain, je me rappelle vraiment pas. T'as pas vu le nom quand t'es arrivé? Non, non. C'est pas un relais. Non, non, j'ai pas fait gaffe. Dr. Stone. Jamais regardé. Bah, comme j'ai vu la tête de cheval, je t'avoue que j'ai même pas fait gaffe après à ce qui s'affichait ou quoi. J'étais concentré sur le sanctuaire. Ok. Il y a cette requête que Prua nous a adressée. Il s'agirait de mener l'enquête au sujet de Dame Zelda. Qu'est-ce qui nous amène ici? Le village Piaf. Enfin... Il semblerait qu'une personne ressemblant à Dame Zelda ait été aperçue. Mais alors, si elle est dans le passé ou je sais pas trop où, comment ça une personne ressemblant à Dame Zelda? C'est pas très logique. C'est un truc pour nager, ça c'est pas un truc pour le froid, ça. Si. Batracien. Avec elle finit les glissades quand tu escalades des parois humides. Mais on me la donne avant ou après? Quoi?
Mais c'est une quête. Fais la lumière sur les rumeurs. Oh punaise. Faut que j'aille faire le tour des relais? Oh my gosh. Ok. Au moins, ça nous miroite une récompense. Oh non, lune. Encore? Mais c'est tout le temps. Tous les deux jours, il y a une lune rouge. C'est quoi ça? Au secours! Ça fait peur. Lune, couleur du sang. Lorsque de ta lumière tu éclaires la terre, les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle pour repartir à la conquête de ces terres. J'en ai profité pour me moucher. Mais ouais, c'est. À tous les épisodes, j'ai l'impression que j'ai une lune rouge là. On est où là? Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Ok. Est-ce que je peux foutre au feu cette merde? S'il vous plaît. Je veux pas de ça. J'ai un couvercle de marmite! Oh chiottes. Bon, on a les bottes, c'est bon, on résiste. Asnes, je vais te laisser là parce que t'es chiant. Voilà. Village Piaf. Voilà, le panneau il est chelou. Le pont est cassé. Oh, c'est ballot ça. Et personne ne le répare. Ah, bravo. On attend que la vie passe. T'inquiète, ça passe. Je sais pas si je focus d'abord la tour. Est-ce que le pont en soi, est-ce que ça débloque quelque chose? Mais comment faut que je le répare? À part faire 4 rondins de bois côte à côte. Et puis c'est pas une réparation, c'est du bricolage quoi. Bah je sais pas trop, Kibix, on a sûrement les réponses au fur et à mesure de toute façon. Ouais, comme tu dis, faut avancer dans l'histoire. Yes, yes, yes. Après Zénic, hein, oui, j'en peux plus. Que prends pas. C'était quoi cette lueur? Un truc qui est tombé du ciel? J'ai pas bien vu, j'ai pas eu le temps. On va se faire geler le S. Je crois que ça tombait du ciel, mais je suis pas sûr. Yes. Les émarmés. Let's go, les amis. Soit ça me ramène à une structure, soit ça me permet juste de prendre de la hauteur et c'est déjà pas mal. Il fait pas de plus en plus froid. Ok. Ça va. Sanctuaire. On peut tomber directement dans la tour. Faut juste que j'économise un peu mon endurance. Sinon on va pas y arriver. J'ai été au village en planant, j'ai pris de la hauteur et j'ai tenté. Bah écoute, t'as bien raison. Oh, j'ai eu peur. Il a pas réagi tout de suite quand j'appuie. Il a fait un truc chelou. Pourquoi il y a des ronces partout? C'est devenu le pays des ronces, là. Il y a un vent qui me pousse. Ah, bravo. Allez, hop. On cartographie tout ça. Hop. Instant in taille. C'est parti. Mais là, en prenant de la hauteur à partir d'ici, ça trouve j'y ai accès. Je sais pas trop. On s'en fout. Yes, c'est parti.
Donc, un gros morceau de la map. Bordure de map en plus. La veste. Le ciel. Quelques structures. Il y a la tempête, ouais, qui est bien présente. Et nous qui allons vers le sud, si je dis pas de bêtises. Le village Piaf. Il est où le sud? Le sud, par là. Hop, c'est vers le sanctuaire, j'imagine. On va décaler un peu. Je pense qu'on va éviter d'aller dans la flotte. Je pense que dans la flotte, on se transforme en glaçon. Je sais pas. J'ai l'impression que je suis un peu loin quand même. Je sais même plus si j'ai des plats ou des potions pour récupérer de l'endurance. Parce que ça pourrait être assez pratique, ma foi. Mais ça passe, ça passe. Ok. Bonjour. Hop là. Bah en vrai, ce qu'on fait pour finir l'épisode, je fais le petit sanctuaire et puis prochain épisode, on va dans le village. Voir ce qui se passe. Et comme ça, là, je pourrais gagner un peu d'endurance. Donc allons-y. Gata Kiza. Alors je sais pas si tu partais du même point Kibix, si t'as fait pareil avec la tour. Mais ça me paraît être une bonne option. Plutôt que de galérer avec les ponts à moitié cassés là. Porté par le vent. Calme-toi le vent. Wow, arrête! Laisse-moi voir où on va. Oh non, il y a des lasers. Si je me mets là. Il me touche celui qui est là, j'en sais rien. Putain, whoop, putain, le con. Ok. Bon, j'ai pas vu d'autres mécanismes pour l'instant. Mais enfin. C'est quoi le but là? Attendez, je... Au secours! Quel est le but? Je sais pas quel est mon objectif en fait. Non, j'ai raté. Bonjour. J'essaie de lui tomber dessus avec mon épée. C'est des dégâts de chute que j'ai pris là. C'est pas très sympathique ça. Ah! Je me casse. Faut juste aller là ou je sais même pas en fait. Non. Bon là. Ouais. J'ai raté le coffre par contre. J'ai pas vu où était le coffre. Oh fuck. Anyway, on va arrêter là pour cet épisode. C'était plutôt rapide au final. Non, j'ai pris la tour, le sanctuaire et après j'ai pris de la hauteur pour sauter. Ah d'accord, tu l'as fait à l'ancienne. Anyway, je vais couper. Épisode de 49 minutes, un petit peu bizarre parce que ça commence un peu par une zone rocailleuse et on finit dans le froid, c'est un peu bizarre. Anyway, merci d'avoir regardé. À la prochaine pour la suite. On verra ce qui se passe dans ce village. See you next time.